Eh bien, bonjour à tous, c'est Slenderman. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parce que je n'ai vraiment pas fait depuis longtemps, depuis peut-être une semaine. Je m'en excuse. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur le PvP Warcraft, le Skyblock. Et on se retrouve comment faire pour acheter des items sur Warcraft. Alors, donc sur Skyblock, bien entendu. Alors, vous allez taper cette commande, slash warp shop, warpshop. Ça va vous téléporter dans une petite pièce, comme ça. Comme ça. Et il y a plein de PNJ, fermier, enchanteur, décorateur, forgeron. SNCF et le dernier électricien. Vous faites clic droit dessus et vous allez avoir accès à plein de trucs. Donc c'est des trucs différents sur chaque PNJ. Donc il y a plein de trucs. Donc là il y a tous les trucs de redstone. Sur décorateur des tables d'enchant, de SNCF, c'est tous les rails, tous les wagons, aussi, tout ça. Et aussi, il y a un deuxième moyen d'acheter des items, tout simplement, en faisant slash war market. Donc ça va vous téléporter là, ici. Donc, après, donc une fois que vous avez spawné là, je le refais, hop, vous allez avancer et tourner ici à droite. Donc, achat et vente d'items. Attention, pas plus de 10 slots par personne. Oh, désolé, on m'appelle sur Minecraft. Donc là, on peut acheter tout plein de trucs. Et ça, donc ça c'est les gens qui ont acheté des qui ont vendu des trucs. Donc le fer ça coûte à peu près 1000 le stack. Ouais, il y a plein de psy pour 1000. 750 c'est pas cher. Donc ouais, voilà. Et pour vendre dans ce coffre en fait, ce que vous avez à faire, c'est ça. Donc, slash market. Create le prix, donc moi je vais. Donc, qu'est-ce que je pourrais vendre? Je vais vendre 5 gunpowder. Donc, slash market create. Je peux écrire le prix, donc 5 gunpowder ça vaut peut-être 1. Et nombre d'items, et ben j'en vends 5. Faut bien avoir l'item dans la main parce que sinon. Si on met genre une épée ou un truc comme ça, si on la vend 1, ça va pas le faire. Donc je vais entrer, item listed, c'est marqué dans le chat. Et je vais voir que mes 5 gunpowder sont arrivés dans ce coffre. Tout simplement. Après vous pouvez acheter plein de trucs. Moi je vais acheter un truc comme ça. Et après, tout ce que vous avez acheté, il va se retrouver dans ce coffre. Enfin, et aussi, c'est pas forcément tout ce que vous avez acheté. Je crois que c'est une fois tous les jours, peut-être, dès qu'on se connecte, quoi. Ça donne ça met des items là-dedans. Un peu au hasard. Enfin, ça vous fait acheter des items. Genre, vous avez 1 milliard et il y a un truc qui coûte 1 milliard, bah. Si vous faites acheter, vous avez vraiment pas de bol. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner si ça vous plaît que je fasse des tutos, des choses comme ça sur Warcraft. Si vous n'aimez pas sur Warcraft, dites-moi d'autres serveurs où est-ce que je pourrais aller. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, tchuss!